Waouh! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Auteur et aujourd'hui on se retrouve pour la probablement dernière vidéo sur Yokai Watch 2. C'était incroyable, c'était très rapide malheureusement. Mais pour vous, pas pour moi, parce que pour moi j'ai commencé cette série en août, je dirais. Et du coup je la finis en début janvier, donc ça a pris un temps fou, vraiment. Problème de connexion, etc. Internet, donc vous allez peut-être avoir cette série en juillet, septembre, octobre prochain, je sais pas. Peut-être qu'un jour je reviendrai, mais pareil, il y a plein de jeux que je peux terminer à fond, par exemple Yokai Watch 1 où il y a le boss, enfin je sais pas, Gorgouille, mais c'est son homologue, c'est vraiment le dernier, c'est au-dessus que les deux autres terreurs là. Je crois que c'est le noir. Faut que je le trouve et que j'en fasse une vidéo. Pareil, il y a. Y a Assassin's Creed par exemple. Que je dois tout simplement. Assassin's Creed Valhalla que je peux tout simplement terminer à 100%. Enfin, ouais, c'est le 100% à viser. Alors que. Bon, en soi. C'est juste de finir les jeux. 100% ou pas, voilà. Il y a certains jeux que je vais finir à 100% comme Zelda Breath of the Wild, pas Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Par contre, on n'avait pas terminé à 100%. On avait quoi d'autre? Là, le dernier Mario Wonder, là, je l'avais terminé à 100%. Mais il y a des jeux, voilà, je peux pas, enfin, voilà, je peux pas non plus consacrer tout mon temps pour finir tous les jeux. Donc on va bien voir tous les yokai qu'il y a. C'était une très belle série. Après, ouais, ce serait bizarre de refaire les boss et tout. Après, voilà, moi j'ai pas tout fait parce qu'il y avait certains boss qu'on avait déjà fait en vidéo avant sur Yokai Watch 1 et c'était répétitif. Et voilà, on a des fusions assez sympathiques, Buchinian. On a certains yokai assez sympas aussi. Il y aura Yokai Watch 3 aussi de prévu un jour. Ça fait bizarre quand même. Ah, Boucanian. Pour boucanier. Sympa. Robot Cornio. Robot Tapeti. Bon, bref, ceux-là, on les connaît. Masconian, vraiment stylé lui aussi. Sailornian, pareil. Darknian, sympa. Jibakoma, sympa. Jetnian. On va faire un petit screen. Tac. On a aussi tous les perfides. En tout cas, ça aurait été très très sympathique. On a plein de boss. Bon, il y en a certains qui sont un peu nouveaux, on va dire. Mais ça reste dans le même thème. Par exemple, Blingos. Bogos. Lui, je crois, on l'avait vu au moins une fois. Ou en début. Ah, je sais plus. Maximain.
Pareil, lui. C'est lui, du coup, Orcanos. Je crois celui-là, il était pas par contre dans Yokai Watch 1, donc c'est dommage, j'aurais pu le faire en vidéo. Mais après, je me rappelle plus. Lui, eux, non, c'est pas possible. Eux, je crois que oui. Ou en tout cas, avec une version différente. Mais ça reste les mêmes, quoi. Lui, on l'avait pas fait, mais pourtant, je l'avais fait. C'est au manoir. C'est dans un manoir. C'était assez sympathique. Ouais, et puis après les autres, hein, classiques aussi. Bon, mais merci à vous. On se retrouve dans une prochaine série. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, t'es auteur, n'oubliez pas vous suivre. Allez, ciao ciao! Talking, please.